de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien, merci Seigneur. Je voudrais aujourd'hui donc aborder avec vous un nouveau thème, une nouvelle vidéo, une nouvelle exhortation qui vous permettra, comme toujours, de grandir dans la connaissance, de grandir dans la foi, de grandir dans l'apprentissage de la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est tout simplement l'affranchissement face à la mort. Alors c'est vrai que la mort, c'est quelque chose qui fait peur, qui touche beaucoup de monde. Et est-ce qu'aujourd'hui nous sommes affranchis de la mort? Et est-ce que nous avons cette assurance de la vie éternelle? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à cela? Il faut le savoir parce que autour de nous, nous avons des gens qui décèdent, nous avons de la famille, des amis. Et à un moment donné, Dieu peut vous utiliser pour parler de ces choses-là. Et nous avons plusieurs passages dans la parole du Seigneur qui nous montrent certains espoirs, une espérance certaine, et qui vont réconforter le cœur des gens, mais aussi qui peuvent les amener à tout simplement donner leur vie au Seigneur, peut-être parce qu'ils ont peur de la mort, parce que voilà, il y a une crainte de la mort, hein. Il y en a qui ont tellement peur de la mort qu'ils vont au Seigneur, et certaines personnes viennent à Christ de cette façon-là, hein. On vient tous, on va dire, un petit peu d'une manière différente, mais en tout cas, il faut vraiment savoir que automatiquement, il y a beaucoup de personnes qui vont au Seigneur par rapport à cela, parce que le Seigneur Jésus, et vous ne trouverez ça que uniquement dans la Bible, nulle part ailleurs, vous ne verrez une promesse de vie éternelle, une promesse de salut éternel. Donc automatiquement, ça fait vraiment plaisir, ça réchauffe le cœur, ça donne un espoir. Lorsque nous perdons quelqu'un de notre famille qui était en Christ, automatiquement, nous avons cette espérance et cette paix intérieure que procure l'assurance de la vie éternelle. Alors, Paul en parlait, et nous allons pouvoir le retrouver dans la parole de Dieu. Il y a tout simplement, lorsque l'on accepte le Seigneur Jésus, que notre vie est en règle avec lui, un affranchissement de la mort. C'est-à-dire, la peur s'en va, nous n'avons plus peur de la mort, et nous avons au fond de notre cœur la foi et l'espérance d'obtenir, selon la promesse de Jésus, la vie éternelle. Donc automatiquement, on n'a plus peur, nous n'avons plus vraiment peur de la mort, on sait que, peur ou pas peur, la peur n'évite pas le danger. Donc on va tous malheureusement, à un moment donné, passer par cette mort. Et pour ceux qui auront accepté le Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui auront la foi en lui, il y aura une promesse que le Seigneur a fait. Et on va le lire dans différents passages pour justement nous donner un peu de baume au cœur. Et aussi avoir les arguments lorsque nous aurons des gens de notre famille qui décéderont, des amis, et nous aurons la possibilité par ces versets, déjà de leur apporter l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Alors bien sûr, il y a un passage qui est complètement clair, c'est Jean chapitre 11 du verset 25 à 26, où là Jésus donc discutait avec les apôtres et avec Marthe, et Jésus donc lui dit « Je suis la résurrection et la vie ». Jésus était le plan parfait de Dieu, il est la résurrection et la vie, lorsque nous avons la foi en lui. « Celui qui croit en moi vivra », donc dans certaines versions, il est écrit « Celui qui place sa foi en moi vivra, quand même il sera mort ». Donc Jésus nous donne une promesse claire, nette et précise. « Si demain vous mourrez, vous vivrez ». Donc, vous voyez, pour tous ceux qui placent sa foi en lui ou qui croient en lui. Voilà, dans cette version, c'est écrit qu'il croit en lui. Mais il faut faire attention parce qu'il y a un passage dans la Bible qui nous marque que même les démons croient. Donc, ce n'est pas le croire dans le sens « je crois en Dieu », c'est plutôt placer sa foi en lui et avoir la vie en règle avec le Seigneur. C'est très, très important. On ne peut pas placer sa foi en Jésus et continuer à vivre dans le péché quotidiennement parce que c'est transgresser les lois de Dieu. Donc, il faut avoir la foi en lui, se sanctifier, bien sûr, et à partir de là, nous vivrons quand même nous serons morts. Et quiconque vit et croit en moi, donc place sa foi en moi,
ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Donc c'est une promesse ouverte que Jésus a fait aux apôtres et à Marc notamment dans ce passage. Donc c'est dans la Bible, c'est le seul livre dans lequel vous aurez la promesse de la vie éternelle. Vous pouvez chercher dans le Coran ou dans d'autres livres, vous ne trouverez jamais ce genre de promesse. C'est une promesse incroyable, claire, nette et précise que le Seigneur Jésus a donnée, parce que le Seigneur Jésus était annoncé déjà dans l'ancienne alliance et Dieu avait déjà le plan parfait pour sauver l'humanité à tout homme qui placerait sa foi en ce plan. Et pourquoi placer sa foi en ce plan ? Eh bien, tout simplement parce que, lorsque l'on découvre le Seigneur Jésus, c'est toujours après une recherche. On ne peut pas aller au Seigneur sans avoir cherché. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu voit que nous cherchons, il se révèle à nous. Donc, il y a toujours cette démarche de chercher après Dieu et Dieu répond toujours présent. Lorsque l'on frappe à la porte, Dieu ouvre la porte. Et c'est toujours ainsi que l'on découvre la vérité dans le Seigneur Jésus-Christ et qu'on découvre également qu'il n'y a qu'un seul chemin vers la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Hein. Ça c'est très très important. Ensuite, on a un autre passage que vous allez pouvoir lire dans Romains chapitre 1 verset 8. Il n'y a donc maintenant, à partir du moment où Jésus est venu, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors notez bien dans ce passage les quelques mots très importants. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc être en Jésus-Christ, c'est être dans la sanctification, c'est avoir foi en lui, c'est obéir à ses commandements, c'est aimer son prochain comme soi-même, c'est pardonner son ennemi, c'est tout ce que le Seigneur Jésus a annoncé. Donc, si l'on est dans toutes ces choses-là, on est en Jésus-Christ et il n'y a donc plus aucune condamnation possible. Donc c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment réjouissant d'entendre de telles paroles par l'apôtre Paul, donc dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1. Et on a bien sûr un autre passage également, et on terminera sur ce dernier passage dans Hébreux chapitre 2, du verset 14 à 16. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, donc là on parle de Jésus, afin que par la mort, donc par son sacrifice, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. En effet, le diable a la puissance de la mort avec lui. Qu'est-ce que c'est que la puissance de la mort ? Eh bien, c'est tout simplement le péché. Il a le péché avec lui, il a la possibilité d'emmener les gens dans le péché et de les faire partir à la condamnation éternelle. Et donc, le Seigneur Jésus, en participant donc à son sang et à sa chair, donc au sacrifice, il a donc anéanti cette puissance de la mort. Il a donné donc la possibilité de passer outre en l'anéantissant. Et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort, la crainte de la mort, on a tous peur de la mort, mais là, regardez qu'est-ce qui se passe, nous sommes délivrés, étant toute leur vie retenus dans la servitude. Les gens qui ont peur de la mort sont parfois retenus toute la vie dans la servitude parce qu'ils sont toujours terrorisés. Est-ce qu'il ne va pas m'arriver quelque chose demain ? Voilà, quand est-ce que je vais rendre mon dernier souffle ? Où est-ce que je vais aller ? Je vais abandonner ma famille ? Donc tout ça, c'est des questions qui font très très peur. Et en fait, lorsqu'on a foi en Jésus, on est délivré de ces choses. On n'est plus du tout dans la servitude. On n'a plus de crainte de la mort. On est délivré de ces choses. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Donc la postérité d'Abraham, c'est tout simplement nous-mêmes. Ce sont les enfants du monde entier qui sont les descendants d'Abraham. Nous sommes délivrés de la servitude, de la peur de la mort, de la crainte. Et nous sommes délivrés également de la puissance de la mort, c'est-à-dire du diable lui-même, par le sacrifice de Jésus-Christ et par notre foi placé en lui. Donc, comme je le dis toujours, vous savez, la Bible, il faut vraiment la prendre dans sa globalité. Pour être sauvé, c'est simple. Avoir sa vie en règle avec le Seigneur Jésus, placer notre espérance et notre foi en lui, et bien sûr, marcher dans l'obéissance et obéir au commandement de Jésus, c'est-à-dire prêcher l'évangile. Ça, ce sont des œuvres que le Seigneur nous poussera à faire par le Saint-Esprit lorsque nous aurons déjà mis notre vie en règle avec lui et lorsque nous marcherons dans le chemin d'une bonne relation avec le Seigneur Jésus. C'est très, très important, il ne faut pas brûler les étapes. Tout se fait successivement et Dieu ne vous amènera pas à travailler correctement tant que déjà votre vie ne sera pas en règle ainsi que celle de votre famille. Nous devons déjà prêcher à notre famille
à nos proches, à nos voisins, avant d'aller évangéliser les nations. Donc ça, c'est aussi important. Donc voilà, on n'a plus de crainte de la mort, on n'a plus de servitude. Donc ça, c'est vraiment un merveilleux message que aujourd'hui j'essaye de vous transmettre, que vous pourrez également partager avec les gens qui sont autour de vous. Voilà pourquoi il faut avoir sa vie dans la foi avec le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il l'a dit lui-même, c'est une promesse qui vient de sa bouche, et le Seigneur Jésus n'a jamais menti, il n'a jamais péché. Voilà, donc Dieu n'est pas un menteur, et Dieu ne se repent pas, parce que Dieu ne pêche jamais. Le Seigneur Jésus est un exemple dans sa vie, il n'a jamais péché, jamais commis un seul péché, il était sans défaut, et il nous a fait cette promesse de la vie éternelle. Donc aujourd'hui, placez votre foi en Jésus-Christ, mettez votre vie en règle, et vous verrez que même si demain la mort vient vous chercher, c'est deux anges qui viendront vous amener dans le royaume des cieux pour l'éternité dans la présence du Seigneur, et non pas avec deux démons dans la souffrance avec le diable. Voilà mes chers frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée, tout dépend l'heure à laquelle vous m'écoutez, et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.